pour rencontrer aux auditeurs et aussi de performance de K-pop. Je ne connais pas vraiment le K-pop. Je n'ai pas de bon transfert. Je ne suis pas un musicien. Mais j'aime beaucoup le K-pop. Vous connaissez ça quoi le K-pop? K-pop signifie et non seulement la musique ou la danse, mais aussi signifie l'unification et la solidarité. Actuellement, il porte quelques messages. Puis, pour remonter le défi, surmonter le défi, on doit être plus unifié et plus solidifié. Puis, d'abord, je voudrais exprimer mes gratitudes à le Club K-pop, particulièrement c'est le président de Makoso, Michel Makoso, on tanga pour organiser cet grand événement aujourd'hui. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion d'exprimer mes sincères remerciements pour les activités du Club K-pop. Club K-pop actuellement, j'ai un rôle très important pour lier le Gabon avec la Corée. Probablement, il y a plusieurs nombres de membres de K-pop Club et sa famille. Actuellement, récemment, je pense que c'était le premier projet sur la nouvelle direction de le nouvel président. Actuellement, le projet a été mis en place à lycée Don Bosco. C'était le projet et la canalisation du don. J'espère que ce petit mais significatif projet pour améliorer la situation de l'environnement de lycée. La raison qu'on a choisi et avec le Club K-pop, c'est le premier projet de le Club K-pop pour l'école. C'est à cause de l'importance de l'éducation. L'éducation, ça signifie et non seulement l'éducation lui-même, mais aussi l'investissement sur la génération d'avenir. Comme vous avez vu maintenant, c'est la jeunesse, c'est l'avenir de la future et l'éducation et c'est l'investissement pour cette génération. Et actuellement, l'éducation est aussi une grande facteur qui a conduit le succès et de la croissance économique de la Corée. Et l'histoire de la croissance économique de la Corée démontre très bien que l'éducation est telle importance. Oui, mais ce n'est pas seulement l'éducation qui a contribué à la croissance économique de la Corée. Il y a plusieurs autres éléments. Oui, parmi beaucoup, je pense que c'est le gesterie des Coréens pour surmonter le défi qu'on a confronté. Oui, il y avait plusieurs défis dans l'histoire moderne de la Corée, c'est là, depuis la guerre coréenne. On a surmonté le double d'État dans le passé, et aussi on a surmonté, par exemple, de 1997, la crise économique asiatique, et aussi 2008, la crise mondiale financière. Oui, on a surmonté le défi commun, c'est pas unifié par la nation. Oui, c'est un secret de la Corée. Probablement, il y a un adage ancien, par exemple, c'était l'adage asiatique, lorsque la tempête est venue, et les peuples sages actuellement conduisent le moulin à vent au lieu de le bouclier de l'antiban. C'est on doit utiliser, profiter et le défi en tant que l'opportunité parce que la crise toujours
être accompagnés par l'opportunité. Et le Gabon est récemment a traversé des moments très, très difficiles. Puis il a désormais entré un nouvel ère, probablement ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire. Je pense aussi porter la grande opportunité, dans l'histoire de le Gabon. Non seulement ça, c'est la grande opportunité en ce qui concerne de la relation bilatérale entre deux pays. Puis il y a un autre adage actuellement, c'est dans le besoin et qu'on connaît le vrai ami. Je pense que la Corée, le Club Poïta est prête à